Soyez la bienvenue au Togo. Merci. Vous êtes arrivé hier pour réaliser une mission humanitaire avec JVSM Togo. Et cet après-midi, nous sommes au bureau de JVSM Togo pour vous préparer à votre mission humanitaire. Et nous profitons de l'occasion pour réaliser cette petite vidéo, pour vous présenter à nos amis internes qui nous suivent et aussi pour leur présenter votre mission humanitaire. Et pour commencer, dites-nous comment vous appelez, donnez-nous votre âge, votre ligne de provenance. Alors, je m'appelle Leslie, j'ai 21 ans, je viens de Savoie en France. D'accord. Et c'est votre première fois de partir en mission humanitaire en Afrique? Oui. D'accord. Et sur quel type de projet allez-vous travailler? Je vais travailler sur un projet d'aide et d'assistance aux orphelins. Et pourquoi vous avez choisi ce type de projet? Alors j'ai choisi ça parce que déjà en France je travaille auprès d'enfants, donc pour moi si c'était une mission c'était avec les enfants et voilà, c'est ce qui me correspondait le plus. Et combien de temps va durer votre mission humanitaire? 5 mois. 5 mois, donc du 1er juillet au 1er décembre. 1er décembre, ah, voilà, super. Ok, et vous partez, je vois que vous partez avec nous, JVSM Togo. Mm-hmm. Comment vous avez trouvé cette association? Alors, j'ai fait des recherches sur Internet pour trouver une association. Je suis tombée sur celle-ci et voilà, elle me plaisait. Et est-ce que l'association vous a aidé dans la préparation de votre mission humanitaire? Oui, déjà, on était tout le temps, enfin, on pouvait poser toutes les questions qu'on pouvait, en contact. Et puis, j'ai reçu un planning avec tout ce qu'il fallait que je fasse, les vaccins, tout ce qu'il fallait emmener et tout. Mm-hmm. Et vous avez lu le guide des volontaires, comment vous l'avez trouvé? Ça m'a bien aidé en fait, comme ça je savais vraiment tout ce qu'il fallait que je fasse avant de partir. Ok, partir en mission humanitaire en Afrique demande un peu d'investissement. Comment vous avez fait pour financer votre voyage? Je travaille depuis que j'ai 16 ans, donc j'ai mis un peu de côté pour pouvoir partir et... Et quelles sont vos motivations en partant en mission humanitaire? Pourquoi vous avez décidé de partir pour 5 mois? Alors, pour découvrir autre chose, une nouvelle culture, un nouveau pays et pouvoir apporter mon aide. Mmh. Aux enfants, c'est sûr. Oui, aux enfants. D'accord. Et merci d'avoir répondu à ces questions. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de votre famille et... de ceux qui suivent la vidéo présentement? Je leur fais des bisous, tout se passe bien, je suis bien arrivée. Voilà. D'accord. Est-ce que pour terminer, vous pouvez nous donner l'adresse de votre blog? Alors, leslieotogo.missionhumanitaire.org. Ok, voilà. Donc voilà, l'adresse de l'adresse de son blog sera ajoutée en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à visiter le blog et aussi à laisser des commentaires sur... pour vraiment l'encourager à vous faire partager, avec vous ces expériences, ces récits de mission. Nous sommes arrivés donc à la fin de la vidéo. Je vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Merci. Et vous aussi, si vous avez envie de partir en mission humanitaire comme Leslie, visitez notre site web, le site web de l'association www.jvsmtogo.org et puis inscrivez-vous sur l'un de nos projets humanitaires. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.